Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscar pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour Destiny 2 de la Lumière, le DLC, la véritable campagne du vrai, de l'histoire, de la vraie vie, enfin, après 1000 ans d'attente et 1000 ans de queue, on espère qu'il n'y a pas encore 7000 personnes dans la queue parce que bon, j'ai attendu exprès, voilà c'est bon, parfait, j'ai eu exprès qu'on soit 23h36. Mesdames et messieurs, au bout d'un moment, là. Donc, nous avons la ZME, le Cosmodrome, Nessos, Côte Enchevêtrée, Cité des Rêves, Lune, au-delà de la Lumière. Voici notre nouveau monde, j'ai envie de dire. On est dans le bureau de Zavala pour recevoir un cadeau de... Oui, bon, ça, on verra plus tard. Donc, voilà. Alors là, tout de suite... Ils l'ont dit dans le scénario, c'est la merde, globalement. C'est la merde. Titan, Mars et Io sont désormais dead. Il n'y a plus rien. Il n'y a que les ténèbres qui arrivent. Et Mercure aussi. Mercure au chrome. Donc il ne reste plus que Nessos, puisque personne ne veut aller sur Nessos. La côte enchevêtrée parce que personne ne veut y aller, la sidérée parce que personne ne peut y aller, la ZME parce que c'est nous, c'est chez nous quand même un peu, le cosmodrome parce que c'est chez nous mais un peu plus loin, et Europe qui est grosso modo là où les ennuis commencent. Donc on pourrait aller commencer par la quête tout de suite, mais bon, si on allait dans la cour déjà, si on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi tout cela ressemble. Bon, je vais commencer par augmenter d'ailleurs les sons. Parce qu'on est à 1. Voilà. Qui va me permettre de baisser le son chez WAM. Voilà. Histoire d'être quand même sur un pied d'égalité avec vous. Je vais regarder un petit peu si j'ai besoin de... Ouais, je peux peut-être augmenter un petit peu le son. C'est moi comme pour vous. Voilà. Ok, donc, alors je vais vérifier un coup aussi que vous ayez bien la même, ouais c'est bon, même source que WAM. Fonctionner des triomphes, appuyez sur F1 pour accéder à vos triomphes. Ah bah génial, j'avais jamais vu les triomphes avant. Waouh! Ouais, ok, bah vous voyez que j'ai un score des triomphes un peu élevé quand même. Donc ouais, je connais. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et monter au score d'un triomphe en terminant des triomphes. Bah, let's go. Ok, bah, let's go. Ah, et le triomphe a l'air d'être semi-réinitialisé quand même. En tout cas, c'est. Non, il parle uniquement de. Ok. Je pense qu'il parle uniquement de la saison. J'ai plus. Actif. Le triomphe actif gagné. La valeur totale de tous les triomphes actifs. Les triomphes actifs viennent archivés. Ah, ok, d'accord. Et ça, c'est tous les triomphes, même ceux qui sont archivés. Ok, très bien. Parce qu'on peut pas prendre tous les triomphes de l'histoire. 2017-2020 et Léviathan. D'accord, ok. Entre 2017 et 2020, c'est la bonne grosse fourchette de sa mère, quoi. Ok. Ensuite, on va se mettre en fenêtre planétrée. Voilà, pour plus de confort de ma part. Et pour que vous n'ayez plus le jeu étiré. Voilà. Et maintenant que tout ça marche bien, je vais enfin pouvoir désactiver l'aperçu de chez WAM parce que je sais que ça marche bien. Ok. Alors, ok, vous entendez bien, ça c'est cool, je vais peut-être remonter un petit peu même. Ouais, alors c'est ça donc, parce que j'ai eu les trucs déluxe de ces morts. Donc on a eu la coque givrée, on a l'icône, on ne bouge plus, et j'ai beaucoup trop de passereaux. Oui, en effet. Donc, on va les archiver. On va les archiver. Je reviens, monsieur. Attends, quoi? J'ai des archives exotiques. Let's go. Monument aux lumières perdues. Ah, les armures et les armures machinonnières ne peuvent plus être obtenues dans les quêtes originelles. Oh putain. Tout ça. Tout cela, j'ai envie de dire. Ok. Ok, ok. Ça, c'est les exotiques de la guerre rouge.
Ok. Exotique de Renégat. Ok. Et des exotiques de Bastion des Ombres. Ok. Bon, j'y suis presque. Ça va, on avance petit à petit. Et donc, tout ça, c'est mon coffre. Putain, je suis à 498. Ah, ouais. Ouais. Après, ça, par exemple, j'en ai pas besoin. Ça et ça, pas besoin aussi. Hop. Hop. Voilà. Là, j'en ai 12 000. Non. 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 Ah, non, il m'en faut un. 1050 ou 1050? Ça, c'est la question. Non. Ah, un Morvan, on va. Ouais. Tac, tac. Ah, là, il y a spécialiste de libellule, mais. Ouais, parce qu'il y a libellule. Let's go. Voilà. Ça ira jusque-là. Tac, 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 et tac. Voilà, comme ça on a vraiment tout. Ça c'est quoi? Ah oui, alors du coup c'est on ne bouge plus. Incroyable. Bah, bien sûr que je vais le faire. Alors le selfie est trop bien. Et la fusée des traits c'est trop bien. Il y a le pistolet d'armes et le duel. Ouais, non, on va prendre ça. Ok, let's go. Oh là, la lumière, bien sûr. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Mais je préfère celle-là, quand même. On va l'entreposer. Ça, on va l'entreposer. Ça, on va l'entreposer. Et ça, on va l'entreposer. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est mon score de triomphe. Mais est-ce que je peux pas avoir mieux? De l'âge de la perte. Ah, bah non, mais score de triomphe total, y a pas? Non, ok. Bon, pas de chance. Ah si, quand... c'est bon, j'ai vu. Ok, parfait. Bon, et putain, j'ai 12 000 vaisseaux. Sa mère la plume. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Voilà. Et ça, on va l'entreposer. Et ça aussi. Ok. Bon. Maintenant qu'on a tout ça... On est bon, on va pouvoir retrouver notre endroit parfait. Et le fameux passereau tout autre ciel, qu'on va bien évidemment équiper, même si celui-là est quand même aussi assez intéressant. Ah, quoique. Ah non, mais j'ai déjà des monts de la vitesse, donc ça devrait aller. Regardez-moi ce style incroyable. C'est le mode de véhicule qui permet de changer son apparence. Oh putain. Oh le destrier, quoi. Oh le destrier du mal. Si ça c'est pas un destrier pay to win, regardez-moi ça. Mais tout est bien! Tout est bien dessus, tout est bien! Incroyable. On va mettre celui-là. Il a l'air très très stylé. Let's go. Ouais, on va garder celui-là, je crois. Non, il est trop stylé. Il est trop stylé. Ok! Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Non. Non, je veux pas parler à quelqu'un. À part là. Des transmissions dans le bureau de Zavala. Mais il y a Zavala aussi. Ça, c'est une quête. Un cadeau d'Osiris. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bon, on va aller le voir et après, on est parti. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ah bah, comme ça, vous voyez un petit peu ce que les gens ont dans le. Oh, stylé. Aïe. Je pense pas que ce soit comme ça. Mais bon. Putain, quel style. Oh, quel style. Stylax. Oh. Quel style. Et du coup, l'artefact, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Alors, on permet d'avoir des modes. Là, je me sens fusil automatique, là.
Je me sens fusil automatique là pour l'instant. Ça se voit pas, mais je me sens fusil automatique. Et là, j'ai. Ouais, let's go. Vraiment, le bas de clan, le fameux. Mais évidemment, n'oubliez pas que Keikei Sensen est un animé STR, bien sûr. Allez. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller faire les quêtes, finalement. Le truc pour lequel tout le monde est venu. Aux portes des ténèbres. À l'attaque. C'est parti. Je monte un peu le son chez moi et chez vous aussi, du coup. Voilà. Donc là, c'est la première cinématique. Je pense, ça va, c'est bien qu'ils la remettent parce qu'avant, je n'avais pas vu. Enfin, j'avais vu, mais je l'avais vu dans des conditions un peu bizarres. Je ne sais pas si je uploaderai la vidéo où j'attends 42 minutes dans la file d'attente. Mais sachez-le, c'était vraiment bizarre. Deuxième cinématique, je pense. Pourquoi c'est qu'à moi que ça arrive, les bordels? Les bordels du micro. J'espère que vous avez rien entendu. Hein. Mais il y avait un signal un peu bizarre. Pourquoi les ténèbres nous voulaient ici? Rien à dire aujourd'hui? Non. Nous n'arrêtons pas.
J'ai un problème. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Des fois, j'ai un problème avec le micro. Quoi? Un peu bizarre. Alors attendez. J'ai l'impression que là, je peux rester ici. Ça, c'est cool. Oh putain. Il a provoqué l'émeute de la vision des terrains. Il est tout aussi responsable de la mort de Cade. Ah. Oh fuck. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors. Ça. Hop. Alors. Je vais juste tester un petit truc et après c'est terminé. On est parti. Mais ça fait un peu bizarre de devoir en faire ça parce que j'avais pas de problème. Et soudainement j'ai vu un problème au niveau de l'Artidigox. Alors. C'est juste pour tester vite fait. Hop, voilà, ok. Parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Alors, donc on est là, on est sur Europe. Alors déjà, attendez, avant de voir partout, regardez d'où on vient quand même. Regardez-moi cet endroit, quoi. On va pas en parler de cet endroit, quand même? What the fuck? On peut retourner tellement en arrière, par contre. Moi, je pars par là, moi, je pars là, moi. Regardez-moi cet endroit. On est vraiment sur une planète désertique de glace, mais ouais, hein, voilà. Quand même. Une planète de glace, mais avec encore des carrés très très. Cubiques et très très. Un peu comme sur Nessos, un peu, hein, mais différent. C'est ça qui est beau. J'ai hâte de voir le lore de cette magnifique planète. J'ai aussi vérifié un truc. Putain, désolé, hein, c'est chiant, hein, mais. Ok, parfait. Allez, à l'attaque. Je vais me baisser un peu mon son d'ailleurs aussi. Hop, voilà. Parfait. Donc, intéressant, intéressant. On est vraiment sur une planète de type glaceuse, hein, vraiment. Le type glace. Mais c'est pas parce que j'ai fait 3 milliards d'années de Pokémon dans ma putain de vie. Que je vais changer pour prendre une doctrine solaire, hein, ça c'est sûr. Alors. On est vraiment sur un endroit désertique. Il y a vraiment Sun Pair. Mais ils arrivent à se frotter. Oh putain. Ah bah oui! Le catch! Le catch déchu! Le fameux. Alors j'adore ce genre d'effet d'optique parce qu'on a l'impression que c'est. On a l'impression qu'il est petit ce vaisseau, mais en fait. En fait, il est gigantesque, hein, et ça c'est incroyable. Ça me fait ça à chaque fois, hein, c'est beau. Hein. À chaque fois que je vois un catch déchu, je me rends compte à quel point c'est incroyable. Ces effets d'optique qu'ils arrivent à créer avec ça. Salut, c'est Wam, ça va? Ouais. Alors. Oh, let's go! Je suis à 81 FPS. J'ose espérer, je n'ose pas imaginer ce que j'aurais eu si j'avais activé l'aperçu sur OBS. Hein. Ah bah let's go, le fameux triomphe. Oh bah déjà un engramme. Ah bon par contre ça je connais déjà ça. Fuck. Je crois que je suis 10 niveaux en dessous de ce qui est conseillé, mais bon. On va pas faire comme si Destiny 2 était vraiment particulièrement difficile au niveau quand t'as des niveaux de retard. Hop, excusez-moi, excusez-moi. Façon, c'est juste un moyen d'augmenter la difficulté, quoi. Le symbole de la maison des déchus. Ah, il faut qu'on reparle. Voilà. Oh.
Eh bah dis donc, il y en a du monde hein, pour une personne. Oh le style. Oh le style de ce passereau. Le style du passereau quoi. Ah, bonjour. Vous me touchez pas. Vous me touchez juste pas en fait. Ok, vous m'avez touché. Ok, vous m'avez touché. Ok. Je dodge. Toujours rester en mouvement. Et viens là. Viens là qu'on se bastonne. Tiens. Oh, ils sont deux. Tiens, je te tape encore. Putain, sa mère la plume. Et laissez-moi tranquille, wesh. Eh bah, dis donc. Ok. Je suis pas mort légalement dans une campagne solo. C'est pas maintenant que ça va commencer. Hein. Par contre, bordel de merde. Plus de bordel, plus d'hiver, s'il vous plaît. Oh fuck. Il y en a du territoire. Ladies and gentlemen. Mourez. Invoque la bombe Nova. 6 armes de puissance. Pas mal. Ah bah j'ai tout one shot. C'est pas mal tout ça. Alors est-ce que j'ai des trucs ouverts? Oh pff, j'ai beaucoup de trucs ouverts qui servent à rien. Notamment ça. Oh putain. Mais si nous vont en premier quelqu'un d'autre dangereux. Ah ok. Ah oh, bah bien vu ça. Bien vu ça, Sherlock. Ok. J'ai l'impression, mais c'est différent. C'est beau. Elles sont différentes. Putain, mais c'est... voilà, c'est bon. Parfait. Ok. Oh là là. Maintenant, on entre dans les tréfonds de la glace. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs sphériques un peu incroyables ça? Ils ont analysé des cavités glaciales. Ils ont fait oh on va faire ça exactement pareil. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Oh les petites phases de plateforme quand même, incroyable. Oh putain. Oh la cinématique. Ah, c'est vraiment pas de chance ça. On arrive à temps. Ou pas du tout en fait. On va arriver, on va trouver que la putain de main. Parce que ces mecs seront trop cons pour l'avoir prise. Attends, Varix. Ah ouais, bah d'accord. Ils étaient pas là sur la cinématique eux. Hein. Eh bah dis donc. Qu'est-ce que... Oh sa mère. C'est toi qui me balance des mines là depuis le début là. S'il vous plaît messieurs.
Ah putain de merde. Retenue s'il vous plaît quand même, on n'est pas des animaux. C'est quoi ces armes là? Oh quand je vais monter. Oh c'est pas joli ce qui va se passer. Putain mais il est toujours là en fait. Let's go. Ah ça va marcher ça. Ah bah j'ai tué. Let's go. Oh, ok d'accord. Meurs. Eh venez. Tiens. Je te tape, je te bastonne. Bra. Toi aussi. T'es un gros. T'es un gros. Libère les alliés gelés en brisant la stase qui maintient. Allez, tire des attaques de mêlée. Ouais, c'est bien ce que j'étais en train de faire. Et combien de temps on a éliminé avant de libérer les vagues de la stase? Ça va, bro. Tu viens avec nous. La cote de il se barre, elle est à combien? Bonjour, ça va? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bonjour. J'ai pas signé pour ça moi. J'aime pas que tu meurs. Ah. Ah bah ok. Auto win, j'ai gagné. Oh sa mère la plume! Putain, ils ont le seum. Ah ça y est, c'est terminé. Alors le absolument, le dernier. Alors prouvez-le. Nous attendons nos réponses. Venez voir Varix et vous les aurez. Mais sachez que notre travail ici vient seulement de commencer. Ouh. Niveau 1, let's go. Ça, c'est un endroit, ma foi, très intéressant. Parlez à Varix, let's go. Jalon mise à jour, let's go. Et ben voilà. Première mission, 28 minutes 57. Bon, j'ai mis un peu trop de temps, mais c'est déjà pas mal. Alors. Donc. Nous voici donc à la croisée de Charon, en Europe. Va tirer sur cet endroit, sur ces choses-là. Alors, avant de parler avec cet homme, n'oublions pas non plus que nous avons également la coque givrée. Oh, quel style. Alors, regardons vite fait ce que c'est. Ok, d'accord. Au départ, non, pas, il avait l'air de vouloir parler. Mais il parlait pas comme un débile dans la cinématique, pourquoi est-ce qu'il... Bref. Une nouvelle cas des déchus, ou Elixni dans leur langage. Grâce à la communication avec les pyramides, elle a réussi à maîtriser la puissance des ténèbres pour en faire une arme.
Avec cet échappé, avec la preuve que de cette sombre puissance, et vous demande de l'aide, si Viris parvient à confirmer cette puissance à ses fidèles des Elixni, personne ne pourra l'arrêter. Pas même les gardiens. Varix vous demande de la trouver, il est peut-être encore possible de l'arrêter. Vous poursuivez Vigris, Cale des Ténèbres, Intermination, la nouvelle cale. Ok, bah let's go. Let's go, mesdames et messieurs. Bah alors d'habitude, on fait toujours de missions. Donc bah autant le faire, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment. Et un artefact déverrouillé. C'est parfait. Alors on va regarder vite fait ce que donnent les spectres. Ah, les spectres aussi qui peuvent être améliorés. Ça, c'est très intéressant. D'accord, très bien mon ami. J'ai voulu l'écouter, mais en fait j'aurais pas lu. Je cherche un bon camouflage avant de lui transmettre absolument toute l'énergie que je dispose. Dont je dispose, je veux dire. Que je dispose, non mais on est où? Alors ça c'est stylé, et ça c'est aussi extrêmement stylé. Mais c'est un peu trop vert. Ouais. C'est stylé aussi, ça. Le blond est stylé, quand même. Le blond est très très stylé. Allez, c'est parti. Donc, il y a des modes. Augmente de 2% les gains d'XP, 3% les gains d'XP, 5, 5, 6, 8, 9, 10. Détecte les rayons. 5% les gains de Lumen, les dégâts de Lumen, les gains de Lumen, les gains de Lumen. Ressources, donner des données télémétriques, ok. Détecte les coffres, détecte les ressources. Les coffres, les ressources. Donc la coque du spectre sera au niveau de pièce maîtresse. C'est bon. Les victoires à l'épreuve qu'on fait une chance d'obtenir des matériaux de destination. Les achèvements de programmes d'assaut et d'avant-garde font une chance d'obtenir des matériaux de vitesse. Les victoires de Gambit, les victoires à l'épreuve, les achèvements de programme et les victoires au Gambit qu'on fait une chance d'obtenir des pièces également de genre supplémentaire. Ok. Avant-garde, Gambit, épreuve, assaut minoir, une pièce d'équipement supplémentaire. Ok. Matériaux de destination, ouais. 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 Les coffres. Coffres dans un rang de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Les ressources. On va augmenter de 10% les gains d'XP. Et on va détecter les coffres, je crois, hein, plus que les ressources. On va augmenter les gains de Lumen, en fait. Ah, ça serait mieux les gains de Lumen, je pense. Voilà, let's go. Ça, c'est pas mal, ça. Et du coup, on est d'accord que tout ce qui démonte la vitesse, tout ça, ça n'existe plus, en fait. On est d'accord. Ouais. On est d'accord que... Ouais, ça m'a l'air d'être terminé, ça. Ok, très bien. À moins que ce soit différent selon le truc. Selon les... Oh putain, 1060, sa mère. 1060 Attendez, on va faire ça. Ouais, voilà, on va le démanteler. Hein. Ouais, voilà. Le 1060, comme ça on est bon. Ok. Bon, on est type 1, mesdames et messieurs. Hein. Pièce maîtresse. Amélioration de la nouvelle cale. Oh putain. Oui. Putain de merde. Ah, ils en mettent des indications. Hein. Ils pourraient les enlever pour ceux qui connaissent déjà. Mais bon, bref. Allez, c'est parti! À l'attaque! J'ai mis de baisser encore un peu plus mon micro. Voilà. Oh, c'est parfait. C'est parfait. À l'attaque! Alors.
Oh. Pour les renforcer. Si Vigris n'est pas arrêtée, elle rassemblera une armée capable de souffler la lumière une fois pour toutes. Ok. En gros, c'est la merde, quoi. Il y a des gens là. C'est quoi ces bruits bizarres? Non, mais on est où là? Vas-y, est-ce que je pourrais pas encore monter un peu votre son? Voilà. Voilà, histoire que vous soyez un petit peu plus dans le. Waouh! Voilà tout ce qu'il reste de Crépuscule, la colonie de Clovis Bray sur Europe. Elle abritait ceux qui venaient construire les exos avant d'en devenir eux-mêmes. Ok, parfait. Pourquoi êtes-vous venu sur Europe? Pour échapper à l'avant-garde? Varix est conscient du sujet sensible. La mort de Kane 6 n'était pas mon intention. Aucun jour ne passe sans que je regrette. Je répondrai de ses crimes. Mais pas tant que mon peuple sera menacé par Vigris. Pourquoi il s'en fout pas un peu, lui? C'est pas du pipeau, vous êtes sûr, là, hein, vraiment. On a perdu une personne et ça y est. Les mecs sont là en mode... Oh, putain de merde. Désolé, les gars, je voulais pas. Genre, en mode, les gars, c'est une guerre, hein, au bout d'un moment. Il va y avoir des morts, genre. Même si on n'est pas très habitué à crever. Après, peut-être que, oui... Si, il est considéré comme un des trois généraux du bordel, oui, forcément. Alors, regardons ce qu'il y a là. Alors, on est sur une architecture qui rappelle un peu la côte enchevêtrée. C'est bon? Ah, les ennemis puissants. C'est un ennemi vachement puissant, dis donc. Il est mort. Ah! Parfait. Alors. Ok. J'ai loupé. J'ai loupé, mais ça passe quand même. Approche du renouveau de Rhys. Zone restreinte. Oh. Ah, c'est bonjour. Non, mais lui aussi, il est puissant. Allez. Allez. Voilà. Parfait. Ce dôme, c'est là où vous vivez ? Une pointe d'espoir pour les Félix n'y restant. Mais un rappel constant. Bon, en fait, si. Trahison de Vigris pour Varix. Oh putain. Ah ! Eh ben, ça tanque là-bas. Hein. Mais non, mais c'est pas par là. C'est pas comme ça que je voulais. Et qu'est-ce qu'il veut lui? Hop là, Veski. Allez, viens là. Voilà. Voilà. Attendez. Ok. Ah, mais c'est eux! Waouh, 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 waouh! J'ai sauté! D'accord, très bien. Comme vous voulez. Bah, c'est la première mort. J'ai sauté, donc normalement j'aurais pas dû me faire toucher, mais ok, très bien. Un petit peu bizarre tout ça. D'habitude ils sont pas aussi précis. Mais bon. Putain, mais ça sert à quoi? Quoi? Bon, les respawns sont pas des... Enfin, c'est des respawns day one, quoi. C'est bon? Ah non, il y en a encore un qui respawn. Mais... Quoi? Il m'a fait une attaque de mêlée alors qu'il était en plein... Putain de merde. Pourquoi je dois recharger? Mais... Ok. Oh putain. Oh mon dieu. Yeah. Allez, allez.
Allez. On va stun de Wayne. Oh, let's go. Oh, le timing. Allez. Ok, parfait. Bon, du coup, venez là, les deux. Le problème, c'est que je manque de sniper. Ouais, vous avez vu comment je vise très bien. Ok. C'est bon. Pourquoi je me fais chier en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils se barrent. Ils se cassent. Ivre, ils se cassent. Ah oh bah bravo. Bonjour messieurs. Ok, les fusils à pompe aussi de leur côté. Ok, c'est fait. Il se casse. Il y a un mec derrière. On est d'accord qu'il y a un mec derrière. Je t'ai bien vu, toi, on est d'accord. Et toi, t'as décidé de venir en 1v5. En 1v1, je veux dire. Allez. Allez, venez. Oh, bonjour madame. Allez, j'en ai deux, donc c'est pour toi et pour toi. Ah, ça c'est pas ce que j'avais prévu. Aïe. Eh bah dis donc. Bah c'est pas de tout repos, dis donc. Hop, il l'oumène. Toujours. Toujours il l'oumène. Ah, allez. Ah, c'est vous. C'est vous les petits fils de pute. Ah, mais il y en a encore un! Oh! Quoi? Ce bruit est extrêmement bizarre. Ah, vous voulez vraiment pas que je passe, quoi. Ah, bah dis donc. Heureusement que je suis super chargé au moment où il y a un boss, quoi. Comme si ça a été timé. Allô? Oh putain! Les serveurs de Steam sont pas disponibles. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Comment ça les serveurs de Steam sont pas disponibles? J'ai payé moi pour ces serveurs. Attendez. C'est vrai ça? C'est vrai ce mensonge? Mais c'est faux ce mensonge? Ah non, les serveurs de Steam marcheraient bien. Ok, non, ça marche pas très bien. Ah, c'est bon, il n'y en a plus. Ah. Alors, ça, c'est. Ça, c'est pas très sympa, ça. Et vous êtes combien? Mais viens là! Oh là là. Eh bah dis donc. Mais il y a combien d'ennemis puissants là en fait? Eh bah dis donc. Ah. Eh bah bravo ça. Allez hop, ça c'est fait. Allez vite toi, allez viens. Viens. Alors t'es qui toi? On dirait pas un truc. Putain. Oui, vous ne pourrez pas passer au travers. Eh bah bravo. Merde. C'est donc ça tout le pouvoir de cette stase. Une porte. Ouais, c'est pour ça qu'elle va nous latter la gueule. Ça, je vous avoue que je vous avais pas vu venir, Wood. Ah, j'étais pas prêt.
Alors, ah bah forcément quand on se fait la tête de la gueule, c'est la cinématique. Ouh. On pensait qu'on allait se faire latter la gueule, mais en fait pas du tout! Let's go! C'est ça ma prochaine cinématique? Ah! Ah, à ce point? On va même pas l'affronter quoi. J'en ai rien à foutre, je leur fonce dessus, moi. Moi, je rentre dedans comme Kate 6. Oh fuck. Ok, d'accord. On m'a dit de continuer à avancer, de pas m'arrêter. Salut! Ça va? Alors, c'est par où? Ça, c'est pas par là. Hein. On m'a dit de m'échapper, mais il n'y a pas d'endroit où s'échapper. Monsieur, c'est pas normal! Je m'échappe où? Je vais par là, moi, j'en ai rien à foutre. Il faut que je les bute? Moi, je sais pas. Hein. Ah, mais c'est là. C'était là, en fait, on était déjà là. Bonjour. Il se barre. Viens là! Et reviens, gamin! Ah, merde. C'est bon? C'est bon, vous, il n'y a plus personne. C'est quoi cette... Ah! Moi, je m'en fous, je suis immunisé. Ah bah voilà, ça y est. Salut, ça va? Au secours, aidez-moi. Oh, fuck. On s'échappe vraiment comme des pauvres voleurs, des pauvres saltimbanques. Après avoir observé les méfaits, le crime, le témoin. 50 minutes donc, ça va. Pas de VOD d'une heure, à moins que la dernière cinématique dure 10 minutes. Mais normalement, ça devrait aller. Et ben, à moins que ce temps de chargement dure 10 minutes aussi. Attention. Il faut toujours se méfier de ces fameux temps de chargement. Alors. Et il fait nuit. Il est déjà nuit avant ou pas? Je sais pas. T'as la giga pyramide là-bas quand même. Barrex, c'est la merde!
puissance ténébreuse a empoisonné son esprit. Alors, j'ai fui. Et pour cela, elle m'appelle traître. D'autres ont fui. Ceux comme moi, qui vénèrent encore la grande machine, se tairent. Je ne les abandonnerai pas. Sans aide, ils ne seront que des victimes de sa guerre. Mais ils peuvent peut-être être mis en sécurité. Bah, let's go. Oh non, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Oh putain. Ah oui, d'accord. On va effectuer une réorientation. On va effectuer une réorientation du budget. Un fusil à impulsion. C'est dommage que ce soit un fusil à impulsion. On aurait pas pu avoir mieux. Ok. Bon, bah, on aura des contrats derrière. Bon, bah, nouvelle mission plus tard. Let's go. Alors, on va changer un petit peu, du coup, de dispositif. Hop. Et, bah, du coup, oui. On va passer sur du 1050, en vrai. Il me faut un fusil à pompe, au moins. Ou un fusil... Je sais pas. On a un fusil à pompe, quand même. Le fusil d'impulsion est censé être mieux. Oh, putain, sa mère. Il a l'air gros, sa race. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Dès que je peux tirer, je vous le dis. Ah, on peut pas tirer par là. Bon. Alors, attendez. La 52. À ce point, quand même, là, s'il vous plaît. Putain, mais c'est bon, wesh. Ça va, on est loin, déjà, là. Eh bah dis donc. On va explorer un petit peu les lieux. Ça y est. Alors. Oh yo yo. Oh quel mastodonte sa mère. Bref. Ok. Bon, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour cette première VOD. C'était déjà pas mal. Hein. On a quand même les bases du scénario qui sont donc posées. Et la quête de ces ténèbres et donc d'empêcher le fait que ces sbires déchus arrivent à maîtriser cette puissance absolument scandaleuse. Il s'en fout, ils sont immunisés et on espère que ça va bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine. C'était Oscur, salut.